Alors Ricardo, demain ils annoncent tempête, donc rendez-vous dans la baie demain pour une grosse session de windsurf. Je compte sur toi, hein. Ça va être énorme. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce communiqué spécial qui concerne encore de nombreuses régions, avec un épisode de vent fort encore pour le début de nuit sur l'extrême nord du pays, un département en niveau orange, il s'agit du Pas-de-Calais, plusieurs départements en niveau jaune, des vents encore de 80 à 100 km/h, voire 110-120 km/h sur la côte d'Opale, un risque de submersion sur toutes les côtes de la Manche et de l'Atlantique pour la journée de mardi. On attend des vagues de 7 à 10 mètres sur la côte aquitaine, de 5 à 8 mètres entre la Bretagne et la Vendée, et de 3 à 5 mètres sur les côtes de la Manche, donc soyez particulièrement prudent, notamment au moment des pleines mers, avec des coefficients qui restent importants, coefficients de marée proche de 110 pour la marée haute de la fin de journée. Et on attend un épisode de vent fort au cours de la journée, depuis les Charentes en remontant vers le nord-est, avec donc des rafales de 80 à 100 km dans les terres, jusqu'à 120 km/h sur le littoral charentais. Donc soyez prudent avec le passage d'une nouvelle perturbation pour cette journée de mardi à bientôt. C'est monté d'un seul coup. Truc de fou. Ouais, j'ai vu. Hein. C'était chaud là, ouais. Ouais, c'est hyper chaud. Ouais. Tempête, le vent il est monté d'un seul coup. D'un seul coup. Ouais. Ma devise, bouger, glisser, combattre pour se sentir vivant.